patience, c'est un plat qui se mange sans sauce. Ici. J'ai surtout besoin d'être un peu seule. Ton père était un génie. Je crois qu'il composait son œuvre ultime avant de mourir. Une sonate. Et si cette œuvre était devenue une telle obsession pour mon père, j'aimerais savoir pourquoi. J'ai vu des ombres, des silhouettes. Il y a ces étranges symboles. Quelque chose ne va pas avec cette musique. Elle ouvre la porte des ténèbres. C'est magique. Ces notes ont le pouvoir d'invoquer l'Antéchrist. Tellement plus qu'une musique. Elle est maléfique, Charles. Tu ne l'entends pas ? Ton monde n'est pas le seul qui existe. Il y en a un autre, obscur et secret. Tu as la capacité d'entrer dans ce monde. Comment est-ce possible ? Tu es lié au mal. À son pouvoir. La différence entre le rêve et la réalité est ténue parfois. Que se passe-t-il ici? Vous n'avez vraiment aucune morale. Qui est cette fille? Vous pouvez la voir aussi. Que voulez-vous dire? Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors moi, vous voyez, je viens juste de me réveiller, mais je suis déjà là. Ma chérie, t'es prête? Il faut... Voilà, je viens juste d'arriver au studio. Tu sais où est Anna? Elle vient de poster la photo. En moins d'une minute, 1000 likes. Je déteste cette fille. Comment ça, tu la détestes? En fait, ça veut dire qu'elle l'aime. On sait que t'es addict au portable. Tu as planté ta voiture 8 fois ce mois-ci, Anna. Aujourd'hui, mes posts ont généré plus d'un millier de likes et pour moi, c'est ça qui compte. Mais la vie, c'est bien plus qu'un post qui a du succès sur les réseaux sociaux. C'est pas la vie qui paie mes factures. T'es prête pour le live stream? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qui est-ce qui leur annonce? Je crois qu'on devrait se séparer. Mais qu'est-ce qui te prend? Calme-toi, tout est sous contrôle. Sous contrôle? Non, 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 tu vas. Où est mon portable? Tu vas aller dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Où ça? Jupiter? Je crois que dans les films, c'est là où tu te souviens que ça fait très longtemps que tu attendais ce moment. Et on s'embrasse! Aujourd'hui, tu vas m'aider à l'atelier. Et votre petite fille, elle s'habitue? Oui, petit à petit. Un geste! Oui, je m'appelle Anna. S'il te plaît, raccompagne-la chez elle. Est-ce que tu imagines comment est ma vie? Des milliers de personnes me suivent sur les réseaux et voient ce que je fais tous les jours. Mais il n'y en a pas une seule qui me connaît vraiment. Je veux trouver ma voie, faire quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et apprendre à mieux me connaître. Mais ma chérie, mieux se connaître, c'est le meilleur moyen de se détester. Tout le monde sait que je suis qu'une snobinarde irresponsable. Non, je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Tu dis ça, mais c'est parce que tu me connais pas trop encore.
Chérie, tu pourras m'aider avec le contrat de la succursale, là, parce que je comprends rien. Maman, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école. Maman, y a plus de chiens ! Maman, il est où l'iPad ? Maman ! Il est où mon sac de cours ? Moi, c'est les enfants, tout le temps, les enfants. Ça va, une fois que tu les as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour t'occuper de toi, ça va. T'es sérieux, là ? Je donnerai n'importe quoi pour être à ta place. Vraiment ? Tout est noté. Tous les plats cuisinés pour ce soir-là sont déjà au frigo. Oh putain ! Ensuite, tu retournes à l'école et tu déposes les enfants. À droite ou à gauche ? Non, c'est tout droit. Oui, mais où ? Et à droite ! Ensuite, tu retournes chercher Maxime qui t'attendra chez son copain Léon. Maxime, ça va pas, c'est de la séquicide, ça ! On joue, papa ! Non, on ne joue pas avec ça ! Ensuite, tu files avec Joseph. C'est Gribouille, la grenouille qui monte l'escalier. Excusez-moi. Oui ? Il y a combien de marches ? Parce que moi, je dois aller travailler, là, maintenant. Joseph, tu dis au revoir à papa ? Non. C'est votre enfant qui décide, hein ? Ça, c'est lundi. Donc, t'as de la chance, parce que c'est un jour calme. Maintenant, le mardi. Comment gérer ? Première règle, fille. Attends, papa, qu'est-ce que tu retiens avec ce portable ? Rien. Aucun résultat pour comment gérer première règle fille. Je suis rentrée. C'est moi, Jude. Trouvez. Je comprends que le comportement de Jude puisse vous inquiéter. C'est qu'une peluche. C'est une telle violence. Je vous conseille de lui trouver un endroit où il se sente en sécurité. Je pense que ça lui ferait du bien. Ça doit être le bâtiment principal. Tu viens, Jude ? Qui est ce charmant garçon ? Brahms. D'où tu sors un nom pareil ? Il me l'a dit, il me raconte plein de choses. Il savait que votre fils le trouverait. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Quelque chose lui arrive ! Pinocchio, dai, di qualcosa. Muovi la bocca al tuo babbo. Ecco, di babbo. 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 Ciao figliolo, mi sentite? Che è successo? È nato un figliolo, sono diventato babbo. Pinocchio, ti piace come t'ho fatto? A me tanto. Ciao figliolo mio, ciao. Portate il mio figlio alla scuola. Pinocchio! Ma come t'ho neanche finito di fare? E già manchi di rispetto ai babbo! Chiamo lui a trovare il babbo. Hai detto 5 secchini? Intanto mi presento, io sono la volpe. Pinocchio. Bellissimo nome. Io sono il gatto. Pinocchio. Bellissimo nome. Perché non mi racconti un po' cosa ti è successo? Potrei di assassino nel bosco. Ma che sta facendo il naso? No, niente, sai. Hai detto un po' di bugie e ora ti sta crescendo il naso. Vieni. Pinocchio, ricordati che i ragazzi che vogliono fare di testa loro, prima o poi se ne pentono. Sta zitto! Via! Madame, monsieur, ecco a voi Pinocchio! Fermalo, per favore, roba tutta! Pinocchio! Il babbo sta arrivando, non ti preoccupare. Vado in un paese bello, si chiama il paese dei balocchi. Facciamo una piccola magia. Voglio diventare un bambino come tutti gli altri.